Where is your capital? Capital. Coach here. Your capital. Coach here. On va aller vite pour que vous puissiez avoir plus de temps dans la zone mixte. Ok? Voilà. Donc, je crois qu'on est prêt, monsieur. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence d'après-match de la première rencontre entre le Mali et la Zambie concernant cette double confrontation de amicale internationale. Ok, good afternoon everybody. I would like to tell you welcome for the conference of press after the match of Zambia and Mali after the first round. Coach, bienvenue, capitaine aussi. Welcome, coach. Welcome, captain. Thank alors, you. Alors, coach Moses, une rencontre qui s'est terminée par la victoire du Mali, mais une rencontre à mon avis très engagé. Qu'est-ce qui a manqué à votre équipe aujourd'hui qui n'a pas pu scorer? Ok, coach, after the match, we have seen that it was a very committed match. The Malian team won the match. According to you, what explanation can you give after your defeat? First of all, I have to congratulate the Mali team for the great performance they showed. I'm not worried about the scoreline. I also want to compliment my team. We did well, we played well according to the instructions. Maybe I'll just say in the first half we were a bit the reluctant in the midfield, where we did not try to close them up early. We gave them time to try and to make some combinations. So, but all the same, we did well, and the goal that Mari scored, yeah, it was. For me, it's a young team actually. If we could have communicated, maybe we could have been able to defend well. But all the same, before Mali scored, we had a clear chance with Dandy through a corner kick. But unfortunately, he didn't hit the ball with the head properly. Okay, I want to congratulate Mali. He has fait un match. Mais je vais plutôt parler de la prestation de mon équipe, qui est une équipe jeune, qui a bien joué au football. Bien que nous avons perdu le match, mais c'est une équipe qui a bien joué au match, qui a fait une bonne combinaison. Et avant même le but du Mali, on a dit que c'était l'équipe qu'on pouvait faire. Je dirais que c'est une équipe jeune capable de faire le bien. Ils ont surtout été champions de leur jeune âge. Ok, capitaine, qu'est-ce que vous a manqué pour ne pas vraiment marquer le but, pour ne pas scorer ce soir? Ok, this is a question concerning the captain. Like the captain, according to you, what was the problem today with your team if you were not able to score even one goal against the Malian team? Okay. Please. Okay,
First of all, you say in French, félicitations à vous. On a fait un bon match contre vous. C'était un bon match, un match amical. C'était compétitif. For us, it was a good game. And one of those things that happens in the game, lapse of concentration in the first 10 minutes, and we ended up conceding the goal. But after that, we could see we could match the Mali team, and we could we created our chances, and we couldn't just put the ball at the back of the net. And in football, if you don't score, then you end up on the losing side. So for us, it was a good game. I'm actually proud of the guys, the way we played. We showed maturity, even though most of the guys are young. But in football, there's no young anyway. So we gave a good game. And I feel we played according to the instruction of the coach. But unfortunately, we couldn't just put the ball at the back of the net. Yeah. Okay. Je voudrais féliciter d'abord l'équipe du Mali qui a fait un bon match. Mais nous aussi, nous avons aussi fait un bon match. Et nous sommes une équipe jeune et nous avons joué selon l'instruction du coach. Alors nous avons trouvé des opportunités que nous n'avons pas pu scorer. Donc le Mali a eu son opportunité et le Mali a marqué. Et sinon, je dirais que c'est un peu nous avons été victimes de notre jeune âge. Et sinon, c'est une équipe qui a bien joué. Et on a joué selon l'instruction de notre coach. Si ça n'a pas marché, seulement ça n'a pas marché. Sinon, on a bien joué. Ok, Salif, pour la question. Salif, il ne faut pas que ça passe près par le micro. Monsieur Salif, présentation, question. Good evening, everybody. My name is Isasen Jakite, who I care, but I have a question for the head coach. So, we have seen that Patson Daka and Wilbu were not here tonight. Do you think that the result will be different when they were here? Thank you. Bonsoir tout le monde, Salim Jakite, who I care, Patson Daka and Wilbu n'étaient pas là ce soir. Pensez-vous que le résultat pourrait être différent s'ils étaient là? Merci. Au coach, hein? Oui, okay. Coach. Okay. Of course, Patson and Dimwepu, it's unfortunate that they didn't play today. These are our senior players. So, also, they could have for sure make a change in the game. But, that's why we came with 23 players, so if anything happens, that's why we have other players to replace them. Okay, c'est vrai, Patson n'était pas avec nous aujourd'hui. Nous sommes venus avec trois joueurs. Donc, en tout cas, les joueurs qui ont joué ont donné le maximum. On ne peut pas dire qu'on a perdu le maximum parce qu'il y a une solution de travail. Another question? Okay. Okay, la dernière. Okay, Yakuba Tanara, planète. Alors, coach, c'est vrai que vous avez perdu ce match. Comment vous allez aborder le second match? Coach, you have lost the match today, but what you see will be the second round. The second match you are going to play is going to matter. Like I said earlier on, I'm not worried about the scoreline. We played Mali, they played a fantastic game. They've got great players. There's no question about it. But Zambia has played also a great game. These players, some of them, like the captain, he said, they are young players. We cannot compare with the most experienced Mali players. So, like I said, I'm not worried about the scoreline, but the most important thing is the performance of the team. Alors, on va pas contraster avec cette équipe du Mali. Comme vous venez de l'entendre, le capitaine a dit que nous avons une équipe jeune. C'est vrai, nous avons joué notre match comme ça se doit. Vous avez vu que le Mali a une équipe fantastique
avec des joueurs expérimentés. Donc nous, nous sommes là et on va apprendre. Et bien sûr, on va rivaliser avec l'équipe du Mali. Le plus important dans notre cité de jouer avec l'équipe du Mali, nous allons gagner en équipe aussi. Merci, thank you coach, thank you capitaine. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup. See you Monday. Au revoir. Au revoir. Okay. Ok, le coach malien, le coach Ezek Bijala, on va voir un rapidement. Coach bien, hein? Coach bien, et bien. Micro barré, tu veux. Donc. Ni on va changer la méthodologie. Quoi? Non, ils vont déposer, on va changer la méthodologie. Hein? Coach va répondre les questions en français. Amari va directement répondre les questions qui seront adressées à Bambara pour qu'on évite de gagner du temps pour la zone. Exactement. Voilà. Donc c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, donc bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence deuxième d'après-match. Une rencontre entre le Mali et la Zambie très engagée. Et je pense que le message a été certainement compris par les jeunes. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui remporté par le score d'un 8-0. Coach, quel commentaire faites-vous de cette victoire, je dirais, la courte victoire? Une victoire, c'est une victoire. Ah, bien sûr. Une victoire, c'est 3 points. Avec une victoire, on serait en Coupe du Monde. Une victoire, c'est une victoire. Il y avait une belle équipe en face, la Zambie. Très belle équipe. Entre parenthèses, la Zambie, ils ont gagné la Coupe d'Afrique, non? Comme ça, ouais. En 2012. En 2012. Okay. Donc, je vais un petit peu réagir à ce qu'a dit le coach zambien. Il a raison. Ils ont une bonne équipe. Nous aussi, on a une bonne équipe. On a une très bonne équipe, parce qu'il y a eu des mouvements assez extraordinaires aujourd'hui. Et des fois, il y a des moments où on sait qu'on est très fort, donc on se relâche un peu. Et ça s'est vu de temps en temps sur le plan technique. Voilà, mais malgré tout, je suis très content de cette victoire. Voilà, félicitations à mes joueurs. Parce qu'ils continuent ce qu'on a décidé tous ensemble. Donc voilà, je pense que c'est bien de faire une victoire ici à Bamako, sur notre terre, dans notre stade. Après, c'est vrai que sans leur donner des excuses, il y avait un terrain qui n'était pas facile ce soir. Ouais, beaucoup de pluie, beaucoup de très gras, donc c'est dur pour les organismes. Mais encore une fois, il y avait une bonne opposition et puis on s'est battu. Moi, mon projet, c'était de faire tourner pour donner du temps de jeu. Je souhaitais donner du temps de jeu à tout le monde sur ces deux matchs. Donc il y a des joueurs qui sont rentrés dans l'équipe et qui ont été bons. Donc il y a un match lundi, on va essayer de tourner l'effectif. Et bien sûr, avec la victoire en ligne de mire. Ok. Famari, Mali les amis, à nous ressort au Chima de Ganovan. Si tout poussé. Ah oui, il s'est là, façon à la dernière pro, 26 mars là. C'est bon. Voilà.
faute de courir. Ok. Capitaliser. Bon, tout d'abord, Amala Fouamala Balgada. Bi victoire ni on a la victoire minimisée, victoire B, victoire D. 1-0. On sera match bien gagné 5-0 ou 6-0. On sera gagné 1-0 dans match normal bagué. Aïe aïe vite, là on m'a non. Mais on a jamais donné un bel adieu fou parce que jamais Bora on a supporté comme coach à Porto Rome, on est amis les gars au Coupe d'Afrique ça. Et mais on est amis à Porto Mano. Aïe aïe bien, on prend ta normal gagné terrain on non. Car au cas où ça m'a créé car bidou. J'ai mis aussi match de manga, mais voilà, on me sert à bitaman ou à te mener. Mais alhamdulillah, un mot qui a essayé de contrôler la paragale du coach à votre homme là, il y a eu la mundo, la biaire, chèque du gré, camouri, ou match de mabau et la sana. Donc, coach me sera contre l'équipe là, j'ai eu l'esprit de créer une équipe là. Donc, il faut l'esprit de continuer à avancer. À mon avis, mon homme, ni mon homme, Mali équipe, Kana, Falen, ou à Dogo, mal libéré, que ce soit. Amana ke bisuma wa amana ke aidara wa amana ke jaji ni ni muté akana do quatre ité donc amugo esprit de imposer équipe là et aujourd'hui je pense que ambaya yi ka fo ko am sera contre jerbeka momo wa bi anno do la ka aba journey fa quoi donc amango ni o nyana yi amango sport trop fal bitukuni ko to ka albi en soutenir ka ni ko ko ni kana ni na la sona me continuer ka baraga tanto pour que ramachi woro gagne ka jamana de la joie o da nga soué merci question. Pas de question. Oui, Amadja. Faut passer le micro à Monsieur Amadja. Allez-y. C'est déjà arrivé. Bonsoir à tous. Amadja Traoré et la France. Ma question, je la pose aux proches. Voilà, une 45 première mi-temps. Donc, je suis resté ce matin tactiquement avec le système 4-4-2. Voilà, donc la sortie de balle était. Un peu timide, il n'y avait pas cette grinta où l'équipe ne parvenait pas à trouver les avancées devant. Même en deuxième période, vous avez fait sortir les 4 minutes de terrain. Il n'y avait pas cette grinta dans le jeu. C'est une analyse intéressante. Maintenant, le 4-4 de Losange, tu sais très bien que ce n'est pas un système facile. Voilà, parce que les relayeurs, ils ont beaucoup de courses. Voilà, Cheikh, c'était son premier match. Cheikh, Lassana et Camori, c'était leur premier match dans le Losange. Donc, moi, justement, j'avais cette envie de le faire découvrir ce système. Donc, je savais très bien qu'il allait avoir quelques petits problèmes. Par contre, il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des phases de jeu avec le ballon qui étaient très intéressantes. Mais je suis d'accord avec toi, au niveau du pressing, on était toujours un mètre ou deux en retard. Bon, mais ça, c'est déjà des ajustements. Quand même, en fin de première mi-temps, on est passé en 4-3-3, enfin, 4-2-3-1 plutôt, parce que je sentais qu'on avait du mal. Et puis, on a recommencé la mi-temps en losange, et j'ai sorti les 4 minutes de terrain, parce que justement, je voulais réinsuffler ce pressing. Mais bon, force est de constater qu'on n'a pas été meilleur dans le pressing, en seconde mi-temps. Alors, pourquoi? Ben, j'ai ma petite idée, hein. Il y a eu quelques phases de jeu où on était bon. Et après, on a laissé la Zambie nous presser. Voilà. Et au lieu d'avoir un jeu positif, on a eu un jeu assez négatif. C'est-à-dire qu'on a trouvé notre gardien et sur un terrain comme ça, on lui a demandé de ne pas prendre de risques. Donc c'est vrai qu'on a manqué de conservation du ballon et on était plus à la merci de la Zambie. Mais malgré tout, on a eu trois grosses occasions en deuxième mi-temps. Et il y en a au moins une ou deux qui doivent aller au fond. Oui. Donc, bien sûr, il y a des bonnes choses, il y a eu des très bonnes, il y en a eu des moins bonnes, et il y en a eu des très mauvaises. Oui, Monsieur. Coach, félicitations. Je suis vraiment journaliste Africa Sport. Alors, moi, je suis très bien. J'espère que l'intégration des jeunes Cameroun et ses performances aujourd'hui, comment vous l'avez trouvé aujourd'hui, si vous direz. Merci. Madame.
fait, ouais, je n'ai pas parlé que de Camori, parce qu'il a fait un match intéressant. Pardon. Camori a fait un match intéressant, comme tous les autres. Camori a fait des petites erreurs, comme tous les autres. Aujourd'hui, je suis relativement content du match de mon équipe. Je dis, il y a quelques réglages. Mais aujourd'hui, c'est un jeune qui arrive, il faut le protéger. Il faut pas que. Il est en train de devenir un grand joueur. Il a fait un bon match, c'est bien. Maintenant, on verra si le prochain match sera titulaire. Madame. Félicitations. Et bien sûr, on est content parce que on fait un match bien gagné, un match bien important en boulot. Donc, le match était un match bien sévère. Donc, on est en train de reposer 25 jours de coach et 25 jours de volley. Et tant que Roger Rabi, donc, le match est bien à tourner. Après, coach équipe aurait lâché, après, que Roger Rabi, l'équipe qui n'est plus la gâchée. Donc, coach Rachouari, moi, on va manager au prénom de nos gars. Jamana et couleur défend car à RF à la terre on a voilà ça on a c'est gagné on est ouré on est préparé tantôt donc on entre dans ce hôtel là bien mal reposé on met tout mes gars en face je le regarde quand on est voilà micro sur le dernier question allez Congratulations, coach and captain. I've got a question for the coach. What did you make of the Zambian team? Did they give you enough opposition to play this game? C'est important donc que ça soit que le coach sache l'équipe ou que ce soit l'autre équipe, on est tous motivés à jouer. Et comme vous l'avez dit, on a joué devant nos supporters et on aimerait jouer encore devant nos supporters pour essayer de remporter des matchs et les faire plaisir. Oui,
même si Gabi a fait un bon match aussi, il faut. Hey, Zambie, c'est ça? Zambie a fait un bon match, il faut l'admettre. Et voilà, on a montré aussi qu'on a du caractère et qu'on peut être à la hauteur. Yes, even if your team of the Zambian team did a very good job today, so we show that we also can show better things. Voilà, merci. Merci. Thank you. Merci.